Il se trouve que nous étions en retard parce que nous étions en brousse, donc nous n'étions pas très au courant. Lucy in the Sky, ça doit être de 77 ou quelque chose comme ça. On était en 74, donc on était un peu en retard. On avait une vieille radio, on arrivait à attraper, sûrement pas les ondes françaises, on attrapait Radio Addis Abeba, c'est déjà quelque chose. On attrapait Radio Khartoum, et quelquefois Radio Port-Soudan. Et autrement, on avait ce qu'on appelait des cassettes, la cassette des Beatles, d'où Lucy in the Sky. Et ce qu'il faut savoir, c'était charmant ici, tous ces petits jeunes gens, et ces tout petits jeunes gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lucy, à l'origine, s'appelait AL-288. Bon, très beau, hein. Ça voulait dire Afar, Lucy, non, c'est pas vrai. Afar, localité 288. Parce que nous avions simplement un catalogue de numération des sites et puis des découvertes. Donc Lucy n'est venue qu'ensuite et Lucy est devenue plus poétique que nous l'était 288. En tout cas, c'est très. Merci beaucoup de cet accueil. Après cette introduction musicale, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il fait très beau, oui, il fait très beau à Emmanuel et Montigny. Je ne sais pas s'il est aussi beau en ce mois de novembre 1974 en Éthiopie. 50 degrés. C'est d'abord un honneur, une joie, un plaisir, enfin les mots me manquent, un vrai bonheur que d'accueillir ici, dans notre salle Marcelville, à Mignolet-Montigny, au cœur de la Picardie, n'est-ce pas, d'accueillir donc le professeur Yves Coppens. Alors, on a parlé à l'instant de l'Éthiopie, mais il y a eu le Tchad, il y a eu l'Algérie, il y a eu la Tunisie, il y a eu la Mauritanie, l'Indonésie, les Philippines. Il n'y a pas très longtemps, je crois que vous étiez en Alaska. La Sibérie. Ah oui, alors mais la Sibérie, j'ai mis juste après dans ma liste, le reste, pas grave. La Mongolie, la Sibérie. La Chine, ouais. Et aujourd'hui Mignolet-Montigny, voilà. Écoutez, on a de la chance, hein, on a de la chance. Non, parce que je disais, l'Alaska, vous y étiez il y a peu, je pense. Oui, j'étais surtout dans cette grande presqu'île qui termine la Sibérie, et qu'on appelle le Kamchatka. J'étais au mois de septembre. Oui. Et c'est une région très difficile d'accès parce que personne n'y va, quoi. Il n'y a que des ours et quelques indigènes qui chassent le renne, et moi. J'avais très envie d'aller là depuis très très longtemps. Ça permet d'arriver par l'Amérique, d'atteindre l'Alaska, de prendre un bateau, d'arriver en Russie. J'avais déjà essayé l'année précédente, mais Poutine n'avait pas voulu que je passe la frontière. Et cette fois-ci, j'ai fait tout le long de ce Kamchatka en bateau. Et je suis allé jusqu'à Petropavlovsk. Et Petropavlovsk, c'est au bout de du Kamchatka. C'est tout près du Japon, en fait. C'était étonnant de modernité et de beauté. Moi, j'aurais bien voulu rester à Petropavlovsk, mais je ne sais pas, Petropavlovsk, mais j'y retournerai volentiers. Voilà. En tout cas, merci d'être venu à Mignolet-Montigny. Ce dont je suis sûr, c'est que la conférence que vous allez donner dans quelques minutes, eh bien, restera dans tous nos esprits. Elle restera dans les esprits de tous ceux qui étaient là aujourd'hui, puis tous ceux qui pourront voir par la suite cette conférence, à mon avis, au moins autant pour nous, en tout cas, que celle que vous aviez prononcée à l'ONU en 2015, et qui, je crois, a marqué les esprits. Il me semble. J'ai eu le plaisir, d'ailleurs, de lire sur... maintenant, avec Internet, on voit beaucoup de choses, n'est-ce pas, le compte-rendu que vous en aviez rédigé sur cette notion de progrès, et je dois dire que ça a aussi marqué mon esprit. Donc je suis sûr que cet après-midi, eh bien, cette conférence marquera les esprits. Alors, professeur, vous êtes professeur émérite au Collège de France, paléontologue, paléoanthropologue, vous avez participé à la charte de l'environnement,
Je vais m'arrêter là, d'autant que ce n'est pas moi qui fais la conférence cet après-midi. Alors, je voudrais simplement, avant de démarrer, remercier déjà, d'abord le professeur Yves Coppens d'être parmi nous, ça c'est la moindre des choses, mais aussi celles et ceux qui ont permis que cet après-midi se réalise. Les chevilles ouvrières de cet après-midi, c'est Alain et Marjane, accompagnés du docteur Fouvier, toujours fidèle, hein, il était là il y a 2 ans. D'abord, je voudrais dire que je suis profondément redevable de monsieur le maire. Vous m'avez renouvelé votre confiance pour la seconde fois, pour la mise en disposition de cette salle, pour les conférences de l'espace humain. Je vous adresse donc les fidèles et bien respectueux remerciements pour présenter le professeur Coppens. J'emploierai une seule définition, c'est un scientifique des sciences du passé. Elle rassemble les 4 disciplines dont il s'occupe, la 4e dimension, le temps, l'archéologie, la géologie, la préhistoire, la paléontologie. Et si je devais conclure par une seule formule, je dirais, vous êtes un savant et un chercheur. Oh. Ah, bon. Je suis très heureux d'être ici, bien sûr. Et je remercie beaucoup Monsieur le maire et toutes ces personnes qui l'ont entouré et qui l'ont aidé. Je remercie beaucoup, beaucoup. J'ai été très, très sensible et très ému à ce cœur, joli cœur de jeunes gens, de jeunes filles et de petites aussi. Sur Lucie, je lui dirai ce soir, je lui téléphone tous les jours. Et donc, je le lui dirai. Oui, vous savez, c'est curieux parce que cette manière de nommer les fossiles est de plus en plus fréquente. Mais à cette époque de 1974, ça ne l'était pas spécialement. Et il se trouve que, ayant trouvé, on a chacun, compté, hein, on a chacun 206 ossements. 206 ossements. Si vous en manque, vous venez me voir, je vous dirai où ils sont. Et en fait, Lucie, on n'avait trouvé que 52 ossements. Mais comme vous le savez, quand on a un bras droit, on a aussi un bras gauche, donc c'est symétrique. Donc quand on a celui-là, on peut fabriquer celui-là. Donc ça augmente le nombre des os et on peut du coup dessiner une silhouette. Et peut-être que notre succès de 1974 et puis des années suivantes a été de dessiner la silhouette de ses anciens ancêtres. Et le fait de dessiner la silhouette a tout d'un coup créé le personnage, a tout d'un coup fait revivre le personnage. Et moi, je ne me rendais pas compte de ça parce que je suis scientifique, comme vous l'a dit, c'est-à-dire que j'ai toujours appris l'anatomie. Je l'ai appris à la fois en sciences et à la fois en médecine. Et donc, je n'avais pas l'idée de ce que pouvait représenter pour le public les personnages eux-mêmes. Et lorsque j'ai fait avec Jacques Malaterre, vous devez vous en souvenir, des films dont un a été surtout célèbre, mais il y en a eu 3. Le premier, c'était l'Odyssée de l'espèce. On a été très impressionnés de voir le nombre de gens qui en prime time, c'est comme ça qu'on dit en français, en première partie de soirée, a donné près de 9 millions, près de 9 millions de téléspectateurs. Ça voulait dire que le fait de mettre les hommes préhistoriques ou les femmes préhistoriques debout, vivants comme vous et moi, ça a tout d'un coup rapproché la préhistoire des publics et rapproché le public de la préhistoire, les deux, quoi. Autrement dit, le fait de... Enfin, c'est facile à comprendre, mais moi, je ne l'avais pas compris. Le fait de représenter les hommes préhistoriques, ça montre que ces hommes et ces femmes avaient des émotions comme les nôtres, avaient des joies, des tristesses comme nous. Et tout d'un coup, malgré leur tête un peu bizarre, malgré leurs mœurs un peu bizarres parfois, ils se rapprochaient de nous. Et le fait d'avoir reconstitué Lucie sous sa forme supposée être celle qu'elle avait, ça a fait de Lucie une petite personne. Elle était petite,
comme ça. Hein. Donc une petite personne, sur pattes, sur pied, elle était vraiment debout, qui continuait à grimper, ce qui est quand même une facilité, moi je grimpe plus. Hein. Ça a constitué un petit personnage qui était vivant, qui était attentif, qui avait des aventures, qui vivait dans un petit groupe. Ça a constitué une personne qui, même si elle ne parlait pas par un langage articulé, parlait au moins par un langage modulé. Et tout d'un coup, Lucie est devenue proche de nous comme une sorte d'ancêtre, qu'elle n'était pas vraiment, mais ça n'a pas d'importance, une sorte d'ancêtre à la fois vivant, on l'a dit, à la fois exotique, on ne l'a pas dit, à la fois femme, c'était important aussi que ce soit une fille, et bien sûr avec sa petite taille et ses petites proportions. Et elle est devenue un personnage, quoi. Et elle est devenue un personnage à travers le monde entier, ce qui est très étonnant, très impressionnant. Et elle nous a complètement dépassés. Alors avant de... Je suis bavard, hein, faut le savoir. Mais avant de commencer, je vous raconterai une histoire qui me plaît beaucoup. Un ami qui s'appelait Jean Lallier, certains l'ont peut-être connu. Il était producteur et puis après il a été réalisateur. C'était dans les années 80, je suppose. Il avait fait une très jolie émission sur l'histoire de l'homme. Ça, c'était d'ailleurs le sous-titre, l'histoire de l'homme. Et le grand titre, c'était, comme je m'appelle Yves, le grand titre, c'était Yves, Lucie et les autres. Joli, hein ? Yves, Lucie et les autres. Eh bien, ma secrétaire a reçu... C'était au musée de l'âme à l'époque. Ma secrétaire a reçu un coup de téléphone de Télé 7 jours, je peux vous préciser, Télé 7 jours, qui a demandé des photographies des deux squelettes. Donc c'est vous dire que l'une avait toute sa notoriété et moi c'était fini, oui. Alors ma secrétaire qui est gentille, que je vois toujours beaucoup, qui est en retraite bien sûr, qui s'appelle Monique Tercis, a dit, écoutez, il y en a une dont on va vous envoyer le squelette, l'autre est vieillie, bien sûr, mais il est encore présentable. Mais... Donc, voilà mes rapports avec, enfin, certains de mes rapports avec Lucie, et j'arrêterai là. En tout cas, merci à monsieur le maire, à tout le monde, et merci à vous d'être là, et j'ai bien d'autres choses à vous raconter, bien sûr. Cher M. Coppens, est-ce que vous pouvez donc nous raconter, nous conter cette histoire de cette fameuse Lucie ? Auriez-vous la bonté de nous livrer un scoop ici à Meignolet-Montigny, ce 21 janvier 2017, salle communale ? Alors, je dois dire quand même que M. Coppens, c'est lui qui m'a fait venir, je suis tout à fait ravi. Nous nous sommes rencontrés une fois par an. Il me posait des questions, et avouez que dans l'ensemble, quand même, j'ai tenté de répondre à vos questions. Et donc, c'est grâce à lui, à son amitié, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Oui, alors, je ne sais pas si c'est un scoop, mais je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. Moi, je travaillais déjà en Éthiopie. Je travaillais en Éthiopie depuis 1967, c'est-à-dire il y a un certain temps quand même. Et Lucie, c'est 74, vous voyez que c'est bien différent. Et je travaillais dans le sud de l'Éthiopie, à la limite, enfin je pourrais vous raconter bien l'histoire, à la limite du Kenya, du Soudan, de l'Éthiopie. Quand on travaille dans des zones de ce genre, toutes les aventures sont permises et il ne faut pas hésiter à les affronter. J'ai été en prison, par exemple. J'ai été en prison à Lodvar parce que je n'avais pas mon passeport sur moi. Et les prisons dans le nord du Turkana, dans le nord du Kenya, ce n'est pas très confortable parce qu'il y a plein de petites bêtes avec vous. Enfin, vous n'êtes pas seul, quoi.
Mais ça n'a pas duré trop longtemps quand même, parce que ça se règle à la bière là-bas. Mais en fait, j'étais donc dans le sud de l'Éthiopie et je connaissais donc les terrains de cette Éthiopie, des terrains géologiques, je reconnaissais leur contenu et du coup je connaissais leurs âges. Lorsqu'un ami qui s'appelait Maurice Taïeb, qui était géologue, était en train de faire sa thèse de géologie dans le nord de l'Éthiopie. Mais le nord, c'était 1000 km de là. Hein. Et Taïeb est venu me voir un jour avec un morceau de dent d'éléphant. Et je connaissais bien les éléphants fossiles, si bien que je lui ai dit tout de suite, ça a entre 2 et 3 millions d'années. Et donc, il faut que tu continues à chercher, ça peut être intéressant. C'était en Afar. Travailler en Afar, c'est une zone qui est nord-est de l'Éthiopie, c'est un désert, quoi. Très chaud. Djibouti en fait un peu partie. Et c'est une des régions les plus chaudes du monde. Et il se trouvait que Taïeb est revenu sur le terrain, est retourné sur le terrain. Il a rapporté d'autres fossiles qui m'ont confirmé l'âge du premier, l'âge que j'avais donné pour le premier. Et du coup, on a monté une expédition. Alors lui a souhaité que l'expédition soit internationale, c'est-à-dire que nous sommes partis deux Français et deux Américains. Les Français, c'était lui et moi. Et les Américains, c'était Johnson et Kalb. Donc, à quatre, nous avons été les fondateurs, en quelque sorte, de cette expédition que nous avons appelée, toujours sous l'influence américaine, International Afar Research Expedition. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas appelé ça l'expédition internationale de recherche de l'Afar, mais c'est comme ça le snobisme. Et donc, nous sommes partis tous les quatre. C'était en avril 1972. Il faisait très chaud, vraiment très très chaud. Et c'était courageux d'y aller. En plus, moi, j'y suis allé en stop, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, en stop, dans un désert, ça n'existe pas. Il n'y a pas de voiture. Il y a quelquefois des chameaux, des dromadaires, mais là, il n'y en avait pas. Et en fait, il se passait que les Allemands, une compagnie allemande, était en train de préparer une route sur 300 km. Donc, j'ai fait du stop avec les gros matériels allemands qui préparaient la route. Et j'ai rejoint mes trois copains. Donc, tous les quatre, on a fait de la prospection. Et on a fait de la prospection fructueuse, c'est-à-dire qu'on a trouvé des restes d'animaux, mais pas humains. D'animaux, mais pas encore humains. Et ces restes d'animaux, on les a présentés, on a fait des notes à l'académie, des notes dans différentes académies, aussi bien en France qu'en Amérique, pour avoir des sous, hein, bien sûr. On disait, regardez, cette région est superbe, il y a plein de choses. Il faut absolument qu'on continue, et du coup, ça nous a rapporté un peu de sous. Et on a constitué une équipe, enfin, chacun a fait venir ses disciples, quoi. Johnson a fait venir ses élèves, Kalb nous a quittés, là, c'est autre chose. Taïeb a fait venir ses élèves, et moi, les miens. Donc, au lieu de quatre, on est devenu une trentaine. Et comme, enfin, c'est du détail, pardonnez-moi, mais comme Taïeb souhaitait que nous restions ensemble, que nous ne fassions pas comme ailleurs des concessions territoriales et qu'on soit sous forme de compétition, non, on peut dire ça autrement, collaboration compétitive, on s'est déclaré trois, parce que l'un était parti, trois co-directeurs tous les trois, quoi. Donc avec l'accord de signer tous les papiers, tous les trois. Et ça a été soutenu jusqu'en 77. Et pourquoi jusqu'en 77 seulement? Parce qu'en 77, au nord, dans ce qu'on appelle le Tigré et l'Érythrée, il y avait la guerre. Au sud, dans l'Ogaden, il y avait un maquis. C'est-à-dire que les caravanes passaient chargées d'armes. Et de temps en temps, on prenait des coups de fusil dans le sable, qui ne nous visait pas, mais qui visait à côté pour nous expliquer qu'il valait mieux qu'on reste par là.
Donc on a quitté en 77. Et c'est dans ces années-là qu'on a trouvé beaucoup de restes humains, il n'y a pas que le signe, beaucoup de restes humains et préhumains, en fait préhumains, puisque les datations étaient autour de 3 millions d'années, et qu'on a mené cette International Afar Research Expedition, qui est si fameuse qu'un garçon de Rennes est venu me voir il n'y a pas longtemps parce qu'il avait son mémoire de, je sais pas quoi, de master peut-être, mais peut-être aussi de thèse sur l'International Afar Research Expedition. C'est dire, vous voyez comment on rentre dans la légende. Lorsque les jeunes gens commencent à faire des thèses sur vous, c'est pas bon signe. Hein. Alors, pour tout vous dire, il faut que vous le sachiez tout de suite, je suis né, enfin c'est ce qu'on m'a dit, hein, j'en sais rien, mais je suis né en 1934. J'aime bien le silence au moment-là, parce que les gens comptent. Et ce qui est agréable, c'est qu'avec les jeunes gens, j'ai rien contre les jeunes, au contraire, j'adore les jeunes, mais c'est que quand je sors, il y en a qui comptent encore. Alors je lâche évidemment la solution, parce que c'est quand même un peu triste. Mais donc on m'a dit que j'étais né à 34, voilà. Alors, maintenant, cher professeur, on va passer aux différents grades de l'évolution. J'appellerais ça les grades successifs. Oui. C'est-à-dire Habilis, Erectus, Sapiens, c'est-à-dire nous, oui. En passant par le Néandertal. Oui. Je vous laisse la parole. Merci. Je l'apprends. Ce que M. Cognard s'est dit et ce que j'ai voulu dire, c'est que on suit bien sûr la succession de tout le monde d'ailleurs, de tous les êtres vivants, et en particulier des hominidés, des ancêtres plus directs. Et ces ancêtres plus directs sont ce qu'on appelle, pardon pour les noms bizarres, mais ce qu'on appelle Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, vraiment, Homo erectus, Homo sapiens, Homo neanderthalensis, puis il y en a beaucoup d'autres. Et ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à partir du moment où la culture apparaissait, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement l'environnement naturel, mais il y avait aussi tout d'un coup l'environnement culturel. Eh bien, l'environnement naturel était créateur de l'environnement culturel, ça va de soi. L'environnement naturel, il existait depuis 14 milliards d'années. Et au sein de cet environnement naturel, apparaissait tout d'un coup l'environnement culturel, c'est-à-dire la conscience, l'anticipation, la conscience de soi, la conscience des autres, la conscience de l'environnement, la conscience de la mort, la conscience de sa mort, là. Et tout ceci a fait que, prenant conscience et ayant cette anticipation possible, au lieu d'utiliser des cailloux ou d'autres choses, on se mettait à préparer les cailloux, parce qu'on préparait la chose. On se disait, je vais essayer de faire tel outil avec tel objet, et du même coup, comme on anticipait, Le caillou, on l'aménageait. C'est formidable hein, comme nuance. Et ça, vous l'avez en Picardie, dans la vallée de la Somme, par exemple. C'est-à-dire que le caillou, on prenait un autre caillou. Vous voyez la différence? C'est fou. Au lieu d'un premier degré, on avait un deuxième degré, et on tapait avec le deuxième sur le premier, et ça faisait une pierre taillée, mais délibérément taillée. Est taillé dans un certain sens pour une certaine fonction. Donc ça, c'est la culture. Et la culture, ensuite, ça a été tout. Le micro, mes vêtements, notre pièce ici, la manière dont je suis reçu, cette table, enfin, etc. Cette culture a fini par rétroagir sur la nature. Donc d'abord, la nature crée la culture, et ensuite, la culture rétroagit sur la nature. Alors, comment expliquer ça? C'est très facile. L'homme né en Afrique, il est en Afrique tropicale, il est né en Afrique tropicale il y a 3 millions d'années,
Et puis il s'est déployé. Il s'est déployé un petit peu partout. Comme il s'est déployé un petit peu partout et que la démographie n'était pas très puissante, petit à petit, il a divergé. Ceux qui étaient à l'Est n'ont pas été tout à fait comme ceux qui étaient à l'Ouest, parce que l'accumulation des génomes n'était pas les mêmes. Donc ils ont divergé, mais quand ils se rencontraient, c'était des humains qui avaient la parole et qui ou bien se battaient ou bien débattaient. Et s'ils débattaient, ils échangeaient des idées, ils échangeaient des nouvelles, ils échangeaient des informations, ils échangeaient des techniques, et ils échangeaient des filles. Et quand on échange des filles, ben on se mélange. Et dans une certaine manière, c'est ça la rétroaction de la culture sur la nature. Quand deux groupes de singes se rencontrent, ils s'ignorent. Quand deux groupes d'éléphants se rencontrent, ils s'ignorent, ils ne se regardent pas. Ils passent chacun leur chemin. Quand des humains se rencontrent, ils se battent, ou bien ils s'aiment. Et en général, d'ailleurs, quand on circule à travers le monde, ce qui m'est arrivé depuis bien longtemps, les gens sont aimables. Ils sont, enfin, l'élément de base de la nature humaine, c'est l'hospitalité. Et l'hospitalité, ça passe par la nourriture et ça passe par l'hospitalité dans la maison, dans la yourte, dans la tente, en fait, etc. Et les gens, en général, sont gentils. Moi, j'aime bien les gens. Et je vous aime bien, par exemple. L'autre jour, j'étais avec une très belle jeune femme que j'aime beaucoup. Je ne vous dirai pas son nom. Et c'était à une radio au Sénat. C'était la chaîne parlementaire. C'était une émission du soir, donc vous verrez très bien de qui il s'agit. C'était en direct. Et je dis la même chose, quoi. J'étais en direct, encore une fois. Et je lui dis, moi j'aime bien les gens, par exemple, je vous aime. Et elle me dit, moi aussi. Puis à la fin, elle m'a dit, voilà, je ne sais pas si je dois rentrer chez moi. Évidemment, c'est une plaisanterie, mais c'était assez marrant. Mais c'est vrai, j'aime bien les gens. Et à partir du moment, vous savez bien ça, où vous faites confiance aux gens, ce que j'ai fait à travers le monde entier, vous êtes reçu parce que vous êtes à leur merci. Vous êtes à leur merci. Il peut vous arriver n'importe quoi. Et moi, ça m'est égal. Vraiment, ça m'est égal. Donc, j'ai toujours fait confiance aux gens et j'ai toujours eu des rapports extraordinaires avec les gens. Enfin, revenons à nos moutons. Le fait de se rencontrer et le fait de s'hybrider, ça fait que les espèces que l'on rencontre dans le monde végétal, dans le monde animal, ne sont plus tout à fait les mêmes. Ce sont de fausses espèces parce que je crois que depuis que l'homme est homme, depuis que l'homme a fabriqué la culture, depuis qu'il a inventé la culture, du moins à ce certain degré, il a cette possibilité de s'hybrider, et cette possibilité n'a jamais cessé, malgré la grande différence parfois de territoire et de distance et de temps de séparation. Voilà en ce qui concerne les grades. Il y a des différents grades, Habilis, Erectus et Homo sapiens surtout, c'est-à-dire nous-mêmes, si vous pouvez développer. Oui, c'est-à-dire que on a bien sûr, vous savez, les naturalistes sont des maniaques. Moi j'ai fait des études de sciences naturelles et de médecine, et les sciences naturelles, les naturalistes sont des maniaques. C'est-à-dire qu'ils rangent, forcément, c'est plus commode. Ils rangent les choses qu'ils ont à étudier. Alors, les choses qu'ils ont à étudier, ce sont des petites plantes, des petits animaux, des grands animaux, enfin, etc. C'est la vie. Et on aime bien séparer les choses des unes des autres, les mettre dans des petits tiroirs pour que pour les retrouver d'abord, et puis pour que les choses soient bien différentes les unes des autres. Et c'est plus compliqué que ça. D'où la notion de l'inné, hein, ça date du XVIIIe siècle, hein, la notion de genre et d'espèce auxquelles on est toujours attaché et qui sont réelles et
et mais moins stricte que l'on imagine. Mais enfin, c'est quand même. Et du coup, les noms latins, comme vous savez, c'est le nom de genre, par exemple le genre homo, le nom d'espèce, par exemple sapiens, que vous êtes. J'ai bien regardé en arrivant, hein. J'ai pas vu d'autres cas. Autrement, ça m'aurait intéressé. Mais... Et le nom, éventuellement, le nom de sous-espèce. Homo sapiens sapiens, par exemple. Et donc, ce classement est vrai, d'une certaine manière, mais les frontières ne sont pas aussi strictes que l'on imagine. Et parfois, il y a des hybridations entre deux espèces, ce qui prouve que, contrairement à ce qu'on pense, les espèces ne sont pas si séparées que cela, l'une de l'autre. Et l'homo sapiens que nous sommes est donc, pour le moment, c'est important, l'espèce humaine vivante, l'espèce humaine qui couvre la Terre entière, ce qui est quand même un beau succès. Hein. Quand on vous dit que ce que vous pensez de l'humanité, je vous dis qu'elle est en très bonne santé. On ne peut pas dire autre chose. Ma femme râle quand je dis ça, parce qu'elle me dit quand même il y a des problèmes. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? Parce que les humains étaient quelques milliers au départ, il y a quelques millions d'années, puis après ils sont devenus quelques millions. Au néolithique, ils étaient, il y a 10 000 ans, ils étaient 10 millions. C'est un chiffre un peu rapide comme ça, hein, c'est parce que c'est commode à retenir. Au moment de Jésus-Christ, on était dans le monde de 200 à 300 millions. Et on est arrivé à 1 milliard en 1815. C'est-à-dire qu'on a mis 3 millions d'années pour passer de quelques milliers à 1 milliard. Et on a mis 2 siècles, 1815-2015, pour passer d'un milliard à 7 ou 8 milliards. Vous vous rendez compte? La courbe, on ne se rend pas assez compte de ça, hein. Donc comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de bousculade? La Terre n'est pas très grande. Hein. Moi j'en ai fait le tour au mois de... Enfin, je trouve que j'en ai fait le tour. C'est pas pour me vanter, je m'en fiche, mais j'en ai fait le tour au mois de septembre dernier. Parce qu'on m'a fait partir par Seattle, par l'Amérique, et puis on m'a fait revenir par Séoul. Donc il se trouve que j'ai fait le tour. Alors enfin, c'est pas gros, hein. Et les gens qui sont dans la station spatiale européenne, ils font le tour en 90 minutes. C'est impressionnant ça d'ailleurs. Hein. Moi je crois que si j'avais... j'aurais bien voulu. Si j'avais fait un tour comme ça dans l'espace, c'est ce qui m'aurait le plus impressionné. C'est le fait que la Terre, pour le moment, on va aller ailleurs. Mais pour le moment, c'est notre territoire. Et la Terre, c'est une toute petite boule, une toute petite planète dans un système d'une étoile qui est le Soleil, le système solaire. Et puis ce système solaire est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et il y a des milliards de systèmes solaires d'abord, et puis aussi de galaxies à travers l'univers, autant qu'on puisse les compter. Et puis il y en a qu'on ne peut pas encore compter, si bien que c'est tout à fait impressionnant. Ça s'appelle des chiffres astronomiques. Hein. Et donc, le fait, ça doit être, il paraît que c'est merveilleux, sûrement. Mais il me semble que ça m'aurait angoissé de savoir qu'on est tellement limité. C'est embêtant d'être limité quand même. Et la Terre, c'est tout petit, quoi. Moi, j'ai circulé partout, vraiment partout. Le pôle Nord, je le connais, le pôle Sud, je l'ai raté. C'est pour l'avenir, ça. J'espère bien aller au pôle Sud un jour, mais le pôle Sud, je ne l'ai pas eu encore. Je suis allé jusqu'au Cap Horn. Et comme je suis né en Bretagne, les cousins que l'on me disait caporniers,
qu'aborder. C'était comme les hatchs chez les Arabes, hein. Ça voulait dire que c'était des gens qui avaient vaincu les cinquièmes, les rugissants et les bouts de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique hurlant. Et donc des latitudes très, très très basses. Et je suis donc allé jusqu'au Cap Horn. Donc je connais pas mal la terre, mais je ne la connais pas tout à fait tout entière. Il me reste du temps. Il me reste des choses à voir. Voilà, il me reste du temps, j'en sais rien. En tout cas, c'est très impressionnant de voir qu'on n'est qu'une petite boule de rien du tout et qu'on vit là-dessus, qu'on survit là-dessus. Mais cette augmentation du nombre de la démographie est impressionnante. Alors on me dit, pourquoi vous dites que l'humanité est en bonne santé? Ben, je dis, voilà, je suis en Afrique. Il y a un parc, d'ailleurs je trouve le mot idiot, parce que ce ne sont pas des vrais parcs, c'est justement l'inverse qui est le parc. Ce sont des milieux naturels, qu'on conserve naturels. Et c'est cela qu'on appelle des parcs, c'est la même prétention, hein. C'est là où nous sommes, nous, qui se trouve être des parcs. Enfin bref. Donc, dans un milieu naturel, on vous dit, voilà, je vous mets conservateur de ce milieu naturel, et il reste trois couples de rhinocéros. Bon, on vient vous revoir 10 ans après, et vous dites, il n'y a plus trois couples de rhinocéros, il y en a 50. Et on vous dit, bravo, vous avez réussi. Bon, ben, l'humanité, c'est pareil. 200 millions d'hommes au moment de Jésus-Christ, 8 milliards aujourd'hui, c'est quand même un succès, quoi. Faut reconnaître ce qui est. Alors, on me reproche ce genre d'optimisme, et moi, je suis ravi, j'aime bien les gens, je l'ai déjà dit. Et donc, ce développement de la démographie est évidemment un grand succès, ceci étant dit, comme la Terre est petite, comme le climat change, ce qui n'est pas une catastrophe, il a changé tout le temps, il va y avoir de la bousculade, et ceux qui vivent au bord de l'eau, il y en a peut-être ici, ont intérêt à acheter à l'intérieur des terres, parce que l'eau monte. L'eau monte, et elle monte sérieusement, au point que moi je ne serais pas étonné du tout que le Groenland fonde. Et le Groenland, c'est 3000 mètres d'épaisseur de glace. Donc 3000 mètres d'épaisseur de glace, ça fait beaucoup d'eau, et ça fait de l'eau qui, forcément, ailleurs, monte. Et si l'eau monte, eh bien, tout ce qui est à une certaine altitude va se trouver sous les eaux, ce qui n'est pas surprenant, ça a existé bien des fois dans la nature. Dans l'existence géologique de la Terre, mais il faut y penser, et on n'anticipe pas suffisamment, je trouve. On essaye des réductions de CO2 qui sont un peu bizarres. Il vaudrait mieux. Enfin, j'ai dit ça à Ségolène Royal, elle n'était pas très contente. Mais au lieu de réduire votre CO2, là, vous ne pourriez pas trouver des moyens de couper le carbone et l'oxygène, et puis de le réutiliser, quoi. Il y a des machines qui existent pour ça. Pour le moment, c'est cher, mais il y en a plusieurs en Israël, il y en a une en Amérique, et on commence à comprendre ce qu'il faut faire. Donc ça nous permettrait de garder notre style de vie, et puis ça réduirait cette histoire de CO2 qui devient un petit peu obsessionnel. De réduire les gaz à effet de serre, au fond. Alors, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le méthane, et ça, c'est un petit peu plus compliqué. CH4, mais... Enfin, bref, il y a des solutions, quoi. Mais la question n'est sûrement pas là. J'ai toujours pas de scoop sur Lucie. Ah oui, Lucie. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Lucie? Elle est charmante. Alors Lucie, donc j'avais commencé l'histoire de International Affairs Research Expedition
Et nous avons travaillé en 72, comme je vous l'ai dit, et trouvé beaucoup de restes d'animaux. Et puis on est retourné en 73, on a retrouvé des restes d'hominidés, d'humains, tout à fait de la même espèce que Lucie. Donc on avait commencé en 73. Et en 74, on a trouvé Lucie, mais Lucie n'a pas été une grande émotion. Tout simplement parce que on a trouvé d'abord quelques morceaux et on s'est dit, bon, bah, c'est comme l'année dernière, c'est un site intéressant parce qu'il y a du reste d'hominidés. Et donc on l'a noté à L288, comme je l'ai dit, comme un site important. Puis on est retourné, on a trouvé d'autres morceaux. Donc le site devenait un petit peu plus important. Et puis quand on s'est aperçu qu'il y avait un seul humérus, ça s'appelle l'humérus hein, droit, pas deux, et puis il y avait un seul fémur gauche, ça vous n'avez pas vu, c'était sur la table, mais c'est la patte, ou un seul tibia gauche, on s'est dit c'est peut-être le même individu, et c'est là que c'est devenu important, et donc pourquoi on a dit que c'était le même individu, pour la raison que je viens de vous dire, et puis pour le fait qu'il y avait aussi des proportions comparables, il y avait une teinte comparable, il y avait une densité comparable, les os avaient l'air d'être fossilisés de la même manière, ça ressemblait aux ossements d'un même individu, quoi. Et le fait de trouver un individu, pas complet, mais susceptible d'être complété, ça voulait dire que d'un coup on en connaissait la taille, 1m10, 1m20, qu'on en connaissait le poids par extrapolation, 5 kg peut-être, et qu'on en connaissait les articulations, la manière dont s'articulaient les membres, et on a vu de cette manière-là que Lucie grimpait tout en marchant, qu'elle était debout d'abord, et puis qu'elle marchait, et en même temps qu'elle grimpait. Et tout d'un coup, donc, le personnage est devenu très vivant. C'est-à-dire ce qu'il faut vous dire, c'est que le Cuvier, au début du 19e siècle, a créé la loi des corrélations. Corrélations. Quelquefois, on me dit, comment pouvez-vous imaginer un dinosaure à partir d'un petit os grand comme ça ? Mais on peut, tout simplement parce que le petit os, il appartient à un grand os. Le grand os, il appartient avec des articulations à un membre, et ainsi de suite. Et en fait, un os n'est possible que sur un animal, ou sur en tout cas un groupe d'animaux. Et la meilleure preuve, c'est que n'importe qui, n'importe lequel ou laquelle d'entre vous, n'ayant pas cette préoccupation quotidienne, ce que je peux comprendre, on trouve tous les deux un os, on repère que c'est un humérus, on va étaler dans cette salle de la mairie, avec l'autorisation de monsieur le maire, tous les humérus de tous les animaux actuels, tous les humérus de tous les animaux disparus, et on fera de l'anatomie comparée. C'est-à-dire qu'on comparera, on comparera, on comparera, on dira ça c'est très différent, ça c'est un peu différent, ça commence à ressembler, et ça c'est tout à fait comparable. Et petit à petit, ça s'appelle l'anatomie comparée, petit à petit on en arrive à la détermination, et on sait finalement à quoi ça ressemble, à quoi ça appartient, à qui ça appartient, et l'allure du personnage, d'un animal, ou de l'être humain auquel ça appartient. Vous voyez que c'est simple, c'est simplement une question de... Ça s'appelle l'anatomie comparée, de comparaison. Et c'est précieux, ça veut dire que les êtres vivants sont construits sur les mêmes modèles, mais avec des différences suffisantes pour qu'on les reconnaisse, quoi. Donc c'est tout simple et en même temps ça demande du temps plutôt, mais la manière, l'opération n'est pas difficile en elle-même.
Et c'est comme ça qu'on a vu que Lucie avait un crâne posé sur la colonne vertébrale d'une certaine façon. Imaginez votre petit chat, votre petit chien, votre petit, je sais pas quoi, votre petit singe. Moi, j'ai eu des singes. J'ai même eu un guépard à Paris. Enfin, ça, c'est autre chose. Ça n'a pas duré longtemps, d'ailleurs, puisqu'il mangeait trop. Lorsque vous voyez la tête de votre petit chat ou de votre petit chien, il est au bout de la colonne vertébrale. Et nous, forcément, comme on est debout, on a le crâne qui est déverrouillé, qui est posé d'une autre façon sur la colonne vertébrale. Donc ça entraîne la morphologie différente et ça entraîne la migration, c'est faux de dire migration, mais la position du trou par lequel passe la moelle épinière. Et puis après, la colonne vertébrale, pour être debout, la colonne vertébrale, elle a quatre courbes. Elle a ce qu'on appelle des lordoses et des cyphoses, c'est-à-dire une lordose cervicale, une cyphose thoracique, une lordose lombaire et une cyphose sacrée. Et donc, il y a quatre courbures qui n'existent pas chez les quadrupèdes et qui est une manière de se tenir debout, parfois d'avoir mal au dos d'ailleurs. Mais c'est une garantie de redressement du corps. Moi, j'ai fait faire une thèse à un médecin sur les ossements de Lucie, et elle a les courbes, à peu près les courbures d'un être debout, avec des allongements, c'est un petit peu différent, quoi. Le bassin, vous êtes debout. Donc, au lieu d'être allongé, où le bassin sert à l'accouchement et où le bassin sert à la locomotion. Vous êtes debout, le bassin continue à servir à la locomotion, il continue à servir à l'accouchement, mais en plus, il sert au portage. Moi, je n'ose pas me mettre debout, mais vous ne vous rendez pas compte ce que mon bassin supporte. Tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, ça fait un bassin qui est à la fois... de peu de hauteur et de grande largeur. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il y a un conflit, pas facile à régler sur le plan de la nature, entre la parturition, c'est-à-dire l'accouchement, et la locomotion. Le bassin est plus court et plus large, la cavité pelvienne est très différente, et l'accouchement des femmes, votre accouchement, est très particulier, très particulier, très compliqué. C'est pour ça qu'il y a quelquefois des complications dramatiques. Il faut que le bébé fasse une pirouette pour plonger dans la bonne direction et sortir du corps de la maman. Ça n'existe pas chez les singes, hein, où l'accouchement est rétro-ischiatique. Alors, pardon pour la terminologie, mais il est en arrière de l'ischion, alors que chez la femme, il est en avant de l'ischion. Et c'est une question d'anatomie. Et c'est une question d'anatomie liée au redressement du corps. Par ailleurs, le fémur, chez les enfants qui n'ont pas encore marché, il est tout droit. Et chez les enfants qui marchent, il devient oblique. Il devient oblique pour rejoindre le genou et rejoint l'axe de gravité du corps. Donc le début du fémur est très humain, il est très être redressé, et quand on arrive au genou, on passe à une articulation qui est chez nous très serrée, chez les grands singes très, très lâche, très, très libre, pour des questions d'orientation de la patte, quand on saute d'un arbre à un autre. Et j'avais une élève en thèse qui s'appelait Christine Tardieu, qui a écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs, chez Adil Jacob, et qui est venue un jour me voir. Je lui avais donné comme thèse le genou de Lucie. Et elle est venue me voir, elle me dit « ça marche pas ». Ben, je dis « au sens propre ». Parce qu'à partir du genou, ça ne marchait plus, oui. Ça ne marchait plus, ça grimpait.
Et les genoux montraient que Lucie grimpait, la cheville marchait, montrait que Lucie grimpait, le pied montrait que Lucie grimpait avec un pouce opposable au pied. Et le membre supérieur, c'était pareil. Le membre supérieur, dans ses articulations de l'épaule, du coude et du poignet, montrait que c'était aussi un membre supérieur de grimpeur. Tout ceci, peu importe que ce soit Lucie ou une autre, mais tout ceci pour vous dire que l'anatomie comparée, aujourd'hui on va plus loin, on va jusqu'à l'histologie à l'intérieur de l'os, et puis on va jusqu'aux molécules à l'intérieur, jusqu'aux cellules, et puis à l'intérieur des cellules aux molécules, et puis à l'ADN. Et donc on va beaucoup plus loin, mais simplement l'anatomie comparée vous donne des informations élémentaires qui sont des informations qui s'avèrent être justes. Autrement dit, la paléontologie, c'est une science toute simple. Et l'origine de l'homme, j'y pensais tout à l'heure quand on est venu ici, l'origine de l'homme, c'est très simple. Regardez la météo. Toute ma discipline est là-dedans. Je me demande ce que je fais en paléontologie. Qu'est-ce qu'ils vous disent les météorologistes à la télévision? Ils vous disent, il y a du soleil, il fait beau, il pleut, il fait pas beau, il fait chaud, il fait beau, il fait froid, il fait pas beau. Donc la solution, c'est quoi? À la fois la chaleur et le soleil, ce qui prouve bien qu'on est d'origine tropicale. Voilà, j'ai fini. Maintenant, cher professeur, place sur l'archéologie en Picardie, et en particulier l'incontournable site de Saint-Acheul et ses fameux bifaces. Pouvez-vous nous évoquer ce point et évoquer aussi ce fameux artisan dont on n'a jamais trouvé les fossiles humains? Oui. Ben, c'est l'inconvénient des alluvions, c'est-à-dire que dans les alluvions, par définition, ce sont des objets qui sont transportés par les rivières, et les objets transportés par les rivières se dispersent et se brisent, etc. Alors, l'homme, l'homo sapiens serait, moi je ne suis pas tout à fait convaincu, mais serait issu d'Afrique. Il serait sorti, l'homo sapiens, je dis bien, il serait sorti d'Afrique il y a une centaine de milliers d'années, et il serait passé par le Proche-Orient. Il y a en effet une sorte de proto-cro-magnon, de pré-sapiens au fond, de proto-sapiens, quelque part en Israël. Ça s'appelle l'homme de Zoudié. Et celui-là a une centaine de milliers d'années et il est déjà sapiens sapiens. Il sera déjà sapiens sapiens. Donc l'origine serait par l'Afrique et le Proche-Orient. Et après, cet homme-là, il s'est répandu soit vers l'Est, soit vers l'Ouest. Et vers l'Ouest, il est arrivé évidemment par ici. Et il est arrivé au Sud, le long de la Méditerranée. Et il est arrivé au Sud des Alpes, et au Nord des Alpes, par les grandes plaines d'Europe orientale et d'Europe centrale. Mais il a été précédé il y a 2,5 millions d'années, par la même voie, mais par un autre homme, que je pense être l'Homo habilis, et qui lui aussi serait passé par le Proche-Orient, et se serait répandu sur toute l'Eurasie et puis l'Amérique ensuite. Autrement dit, l'histoire de l'homme, c'est une origine africaine tropicale, on a beau chercher ailleurs, on ne trouve pas, et on a beau chercher, et on cherche en Afrique, on trouve, et en Afrique, les dates sont incontestablement plus anciennes qu'ailleurs, donc la science est froide, hein, s'en fiche, donc tout a l'air de se passer comme si l'homme était d'origine africaine ou tropicale, et à partir de ce moment-là, il s'est déployé, et à deux reprises,
Il est sorti d'Afrique il y a 2 millions et demi d'années et il y a 100 000 ans. 2 millions et demi d'années et 100 000 ans. Donc 2 millions et demi d'années, il s'est répandu à travers la Terre entière, beaucoup sur l'Asie, un peu sur l'Europe. L'Europe était plus difficile d'accès pour des raisons géographiques, paléogéographiques et paléoclimatiques. Mais il y a quand même des restes de... moi je pense qu'on va trouver beaucoup plus anciens. Mais il y a des restes d'un million six en Italie, Pierre au Nord. Il y a des restes d'un million deux et sans doute plus en Espagne. Il y a des restes maintenant d'un million cent mille ans dans la Creuse. Il y a des restes d'un million, autour du million d'années dans les îles britanniques, des empreintes de pas. Et il ne serait pas surprenant que ici on soit dans ces dates-là, quoi. On soit autour du million, peut-être un petit peu moins, mais en Bretagne, on a beau chercher, on n'a pas dépassé 700 000, quoi. 700, 800 000 ans, mais on a peut-être pas tout trouvé non plus, bien sûr. Il faut découvrir les sites et puis pouvoir les dater. 700 ou 800 000 ans. Mais ça veut dire que, forcément, c'est l'époque des glaciations. Donc il y a des glaciations, il y a des interglaciaires, des glaciations, des interglaciaires. Glaciation, c'est 3000 mètres de glace sur les pays scandinaves. Et puis, période interglaciaire, ça fond. Et c'est comme aujourd'hui. On est en période interglaciaire, c'est-à-dire qu'on peut aller se balader en Finlande, en Suède, en Norvège, etc. Et les humains qui ont occupé l'Europe ont fait pareil. Ils étaient tranquillement au bord de la Méditerranée. Et puis quand ça devenait moins froid vers le nord, hein, comme l'homme a toujours été curieux et qu'il a toujours cherché de la nourriture ailleurs, c'est un peu opportuniste aussi, hein, il est monté, puis quand il faisait froid, il est redescendu. Et puis il y a même eu peut-être des extinctions locales. Puis il est remonté, puis il est redescendu, etc. C'est impressionnant, hein, ça. On trouve une grotte qui s'appelle la grotte au loup en Finlande. Elle a 100 000 ans. Et il y a eu là-dedans des humains qui avaient aménagé une petite grotte, bien. Hein. Le sol était irrégulier, ils avaient mis des cailloux pour que ce soit un peu régulier. Ils avaient mis des litières et c'est rempli de pierres taillées. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que c'était en période interglaciaire. Après eux, il y a eu 3000 mètres de glace qui ont fondu, et puis on les retrouve aujourd'hui. C'est vous dire que le changement climatique, c'est pour ça que je m'amuse du changement, enfin, c'est une façon de parler, du changement climatique, parce que c'est constant pour un géologue, c'est normal. Ça change tout le temps. On est en période interglaciaire, donc... c'est normal que ça se réchauffe. Bien sûr que l'homme y est pour quelque chose, je ne veux pas dire le contraire. Et puis, on va vers une glaciation, on va vers une période plus fraîche. Vous avez intérêt à ramasser des bûches. Hein. J'avais, pour vous amuser, au moment où ils ont creusé le tunnel sous la Manche, je leur avais écrit en disant c'est pas la peine de vous fatiguer, bientôt on passera à pied. Oh, j'ai eu une réponse. Et donc, ils ne m'ont pas pris en considération, et je peux comprendre. Donc voilà l'homme installé en Europe, si je peux dire, installé dans ses mouvements en Europe. Et à l'occasion de ces mouvements, il est arrivé ici, en Picardie, il est arrivé dans l'Oise, il est arrivé dans la Somme. Et il se trouve que la Somme a laissé des alluvions très importantes. Et les alluvions, contrairement dans les pays continentaux, les couches géologiques s'accumulent. C'est-à-dire que la plus profonde est la plus ancienne. La plus récente est la plus haute, forcément. Donc on creuse, et plus on creuse, plus on va vers des formations plus anciennes.
La lumière, c'est autre chose. Et la somme, c'est autre chose. C'est-à-dire que d'abord, la somme est basse, et puis donc, elle a des plages, et puis elle creuse, et comme elle creuse, les plages vont être des plages soulevées, et puis elle creuse encore, parce que simplement le milieu change pour creuser son lit, elle va vers la mer, hein. Donc elle creuse et elle laisse des plages élevées, donc plus c'est haut, plus c'est ancien. Et en l'occurrence, les différents niveaux de la Somme, les différents niveaux de la Seine, les différents niveaux de l'Aisne, les différents niveaux de l'Oise, sont extrêmement intéressants, et ces niveaux-là, qui sont remplis d'alluvions, qui sont remplis de gravier, qui sont remplis de limon, sont d'autant plus intéressants qu'ils contiennent des restes d'animaux, des restes de pierres taillées et des restes humains, le cas échéant. Et donc là, souvenez-vous, dans la Somme par exemple, les niveaux les plus anciens sont les niveaux les plus élevés, puisque la Somme a creusé son lit au fur et à mesure. Et aujourd'hui, les niveaux de la Seine, c'est pareil, les niveaux les plus récents sont les niveaux les plus bas. Et dans la Somme, la Somme, c'est un exemple d'école pour nous. Hein. C'est très, très intéressant et très, très riche. C'est rempli de restes animaux et c'est rempli de pierres taillées. Alors ces pierres taillées sont probablement pour les plus anciennes ce qu'on appelle des galets aménagés, c'est-à-dire des pierres qui sont des galets à l'origine et qui ont été taillées, c'est-à-dire qu'elles ont pris, comme on l'a dit tout à l'heure, des coups d'un autre caillou sur le caillou en question pour aménager des parties tranchantes ou des parties percutantes ou autre chose. Et à partir de 1,8 million ans en Afrique, et à partir de probablement 1 million d'années en Asie, et probablement un petit peu moins en Europe, peut-être 700 ou 800 000 ans en Europe, l'homme invente la symétrie et transmet la symétrie. Et la symétrie, c'est superbe. Ça fait des pierres, comme vous savez, qu'on appelle des bifaces, qui ont une symétrie bilatérale et bifaciale, et ces pierres sont superbes sur le plan de l'esthétique. Et quand on fait l'analyse des tranchants, on le fait désormais, on fait des expériences avec un faux biface, un biface fabriqué par nous, on coupe la viande. Puis avec un autre biface, on coupe la peau. Avec un autre biface, on coupe l'os. Avec un autre biface, on coupe des végétaux. Et à chaque fois, quand on fait l'analyse du tranchant, les traces et les cassures sont différentes. Formidable, hein ? Si c'était les mêmes, on ne verrait rien. Mais elles sont différentes. Donc du coup, sur les objets expérimentaux, on sait si la pierre en question à couper plutôt des végétaux, ou plutôt de la viande, ou plutôt de l'os, ou plutôt de la peau, ou plutôt je ne sais pas quoi. Et en l'occurrence, sur les bifaces, c'est pareil. C'est-à-dire que les bifaces, on peut en étudier l'usage en fonction de la nature de l'usure de la tranche, la partie coupante, mais aussi la partie contondante. La partie contondante, visiblement, on s'amuse quelquefois en disant que le biface, c'est le couteau suisse, parce que la partie contondante, en bas ou en haut, le biface en général est triangulaire, a servi à autre chose. Et cette autre chose, on peut le définir. Or, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait qu'il y ait une lacune de temps entre le biface en Afrique, 1,8 million, et puis le biface en Europe, qui au mieux a 700 à 800 000 ans,
Donc ça fait une grande différence entre les deux. Et la grande différence, elle est due à quoi? D'abord, est-ce que cette taille est passée d'une communauté à une autre par transmission de techniques, transmission de paroles, ou est-ce que ce sont des gens qui sont venus avec ces bifaces? Et ça, c'est pas encore très, très clair. Mais en tout cas, sachez que la Somme est en France, en Europe occidentale, un exemple de classement des êtres, enfin de géologique d'abord, des êtres vivants, des quadrupèdes, notamment des mammifères d'autre part, et puis des hommes fossiles, on n'a pas les hommes mais on a les outillages, enfin. C'est un grand exemple, compliqué, hein, compliqué parce que la rivière, elle laisse des plages, et puis parfois ces plages sont érodées, donc c'est creusé, c'est surcreusé, et puis d'autres plages s'installent par-dessus, donc il faut lire la stratigraphie pour la comprendre. Ceci dit, c'est un grand modèle. Donc vos bifaces d'ici, ils ont sûrement plusieurs centaines de milliers d'années, et sans doute jusqu'à 700 000 sûrement, 800 000 peut-être, c'est l'ordre d'idée quoi. 700 à 800 000, c'est en général ce qu'on obtient pour ces régions-ci. Mais moi j'ai tendance à pousser les âges en général, et on dit bien que quand on avance, on recule. J'avais un collègue qui m'a téléphoné ça un jour. Au fond, toi, tu avances quand tu recules. C'est-à-dire qu'on prend de l'âge en réussissant des fouilles et des datations. Peut-être qu'on arrivera autour du million d'années pour les bifaces, pour les superbes bifaces de la Somme. Si vous avez l'occasion d'en voir dans des musées ou même d'en découvrir, hein, ce sont des pièces magnifiques, hein, sur le plan de l'esthétique. Je suis persuadé que l'âme de Kiletam, il a cette notion de l'esthétique. Cette notion, beaucoup de notions d'ailleurs, intellectuelle, spirituelle, technique sûrement, et esthétique sûrement. Et en général, les bifaces, il les fait de manière superbe, ce sont de jolies pièces. Et en même temps, il choisit les couleurs. Quand il a le choix des couleurs, on se rend compte qu'il a choisi la couleur qui lui est la plus agréable et qui se trouve être aujourd'hui aussi la plus agréable que l'on reconnaisse nous-mêmes. Donc nos grandes caractéristiques d'hommes actuels se retrouvent, c'est normal, chez ses ancêtres qui ne sont pas si lointains que ça, puisque 3 millions d'années, c'est une plaisanterie. 1934, vous avez dit. Vous voyez, je ne suis pas loin. En un mot, cher professeur, quelle est votre pensée hypothéco-déductive sur ce fameux artisan, précisément Erectus, Néandertal? Qui a fait ça? Oui. On ne l'a pas encore trouvé, c'est vrai. Ce que je pense, c'est que le premier homme est sorti d'Afrique, et le premier homme sorti d'Afrique, c'est le premier homme. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Et l'homme, dès qu'il est homme, a bougé, et dès qu'il est homme, il a bougé, et l'Afrique, c'est pas énorme. Et les hommes se déplacent beaucoup, et finalement, ils ont dû arriver très vite au Proche-Orient. Ils ont dû arriver très vite au Proche-Orient, et puis par suite se répandre à travers l'Asie et l'Afrique, et pardon, l'Asie et l'Europe, l'Eurasie. Et donc, ces premiers hommes devaient être autour de 2 500 000 ans au Proche-Orient. Et il y a des restes de décarnisation d'ossements de 2 600 000 ans en Asie.
en Inde aujourd'hui. Donc c'est l'ordre d'idée. Ça paraît un peu plus récent en Europe, mais je me demande si on ne les trouvera pas un jour. Quoi. Il y a peut-être des questions de géologie et des questions climatologiques qui ont fait que ça a été moins rapide en Europe. Mais en tout cas, disons que c'est l'homo habilis qui arrive le premier. L'homo habilis, il se transforme, il évolue, tout le monde évolue, tous les êtres vivants évoluent. Et il est devenu Homo erectus. Et cet Homo erectus a été répandu, enfin on imagine bien, sur une surface énorme. L'Eurasie, c'est 44 000, si je ne m'abuse. 42 000 pour l'Asie, 10 000, 54 000. 42 000 pour l'Asie et 44 000 pour l'Asie et 10 000 pour l'Europe. Ça fait 54 000 km². Donc sur 54 000 km² avec une démographie qui n'est pas immense, les êtres vivants, les humains, ont été séparés les uns des autres, quoi. Séparés pour des questions de démographie, séparés pour des questions de distance, séparés pour des questions paléogéographiques, paléoclimatiques. Quand il y a un glacier, on ne le passe pas si facilement que ça. Et du même coup, ces êtres vivants étant séparés, il se passe des divergences très vite, des divergences génétiques. Ça s'appelle des dérives génétiques. Alors je vous donne un exemple facile à comprendre. J'ai là devant moi un parterre de gens, merci d'ailleurs d'être là, un parterre de gens, et d'après ce que je vois, il y a des interfécondités possibles, mais peut-être que je ne vois pas bien. Hein. Et les portes que vous avez utilisées pour rentrer sont fermées, fini. Pas vous en faire, je vous raconterai d'autres histoires, j'en ai plein. Mais donc, on ne peut plus sortir, quoi. Donc c'est fini. Donc on en a pour quelques dizaines de milliers d'années ici ensemble. Donc on va faire des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, pareil, des petits-enfants. Et on sera étonné lorsqu'ils sortiront de voir la tête qu'ils ont par rapport à ceux qu'on a laissés dehors. Je vois que ça va être drôle. Et ça s'appelle une dérive génétique. C'est-à-dire que les êtres vivants, forcément, ils ont... C'est un petit groupe, le petit groupe... Si on ajoute les génomes de chaque individu, ça fait un génome global qui est forcément différent du génome global d'une autre population. Donc petit à petit, il y a une différence génétique qui ne va qu'en s'accusant, qu'en s'accroissant. Et ceci fait que c'est ainsi que sont apparus l'homme de Flores, l'homme de Java, l'homme de Pékin, l'homme de Denisova, l'homme de Néandertal, et l'homme de Néandertal nous intéresse particulièrement puisque c'est celui qui est né par excellence de l'Europe à la suite de l'arrivée des prédécesseurs Homo habilis et Homo erectus. Donc je pense que c'est biface de la somme d'un million d'années, je pense que c'est ça que vous vouliez me demander. Sont dus à des Homo erectus en train de devenir Néandertal, ou déjà Néandertal, mais Néandertal très ancien, parce que comme Néandertal, c'est une dérive génétique, les premiers Néandertals sont très peu Néandertal, ils sont beaucoup erectus, puis petit à petit, ils se néandertalisent, et il n'y a pas plus Néandertal que ceux qui ont 50 000 ans, quoi, en gros. C'est une transformation et une adaptation et une... c'est pas forcément une adaptation d'ailleurs, parce que c'est aussi génétique, donc c'est aussi aléatoire. Mais en tout cas, c'est une transformation qui se fait d'autant plus accusée qu'elle est généreuse, qu'elle prend du temps. Quoi. Et c'est ici qu'on a fabriqué Néandertal et moi, je provoque un peu en disant que ce sont des Néandertals qui ont fait ces bifaces. C'est vrai que 800 000 ans, c'est beaucoup pour la communauté scientifique internationale.
Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas, cependant. Et Néandertal n'a rien de désagréable. Hein. C'est un petit frère, un petit cousin, petit cousin. Alors, cher professeur, pour les dernières 20 minutes, je souhaiterais laisser la place. On me donne des limites. La dernière heure qui nous reste, je souhaiterais donner la parole au docteur Plouvier, ah bien, qui aurait quelques questions à vous poser.